Nous voilà partis pour Millau. Vraiment, on ne tient pas en place. C'est un road trip qui se fait en 2-2 et nous voilà sur la route. Puis on fait le tour de la ville en vélo. C'est vraiment pratique d'avoir un vélo en van. Et nous voilà, on se promène dans les petites rues médiévales de Millau. J'étais déjà venu quand on avait été plus jeune et on était même passé sur le viaduc en moto. Bon, bref, donc l'après-midi se poursuit, on se balade. On prend le temps d'apprécier cet après-midi-là et je vous laisse voir les quelques vestiges qu'on a pu voir. Et puis voilà, ça va être bientôt l'heure de repartir. On reprend la route direction Montégual, j'espère que je le dis bien. Et puis voilà, on se lasse pas de ces dernières prises de vue avant de prendre la route. Mais c'est vrai qu'on aurait voulu visiter un peu plus, par exemple Belcastel avec son château médiéval, Brousse le château, le village médiéval avec sa forteresse. Mais bon. Nous partons pour Montégual sous une petite averse. On va arriver en fin d'après-midi, donc on décide de changer la cassette des toilettes, remplir les eaux. Et puis à côté, il y a aussi, c'est grâce à Park Night, il y a de quoi passer la nuit sur un parking. Les lieux sont très propres et très calmes. Puis on décide au matin d'aller voir ce fameux Montégual. C'est écrit stationnement réglementé. Limité à une nuit. Ah, là, ça me donne trop envie de me faire un café, d'aller dans un peu plus bas, voir la vallée et le déguster avec ce beau tableau. C'est magnifique. Donc, je vais me préparer un café. Allez, un petit peu d'eau. Voilà. Hop là. Youp, la paume. Alors on va voir que tout ça se casse pas la figure. Et c'est parti. Là, ah oui. Je sais pas pourquoi mon gaz, lui, il tient pas. Je suis obligée. Et pourtant, je suis à plat. Hein. Je suis obligée de mettre la petite épingle à linge pour coincer. Et après, une fois que c'est bien chaud, je peux la retirer et ça tient. C'est trop bizarre. Mais bon, allez, le petit café. Et nous voilà
au cirque de Navacelle. C'est trop joli à voir. Ça vaut le coup d'œil. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est très très joli. Et très froid. Ouh là là, par où on va passer? Nous restons du côté de la cascade et nous allons manger dans ce petit restaurant où nous étions venus quelques années auparavant. Nous avions mangé en haut de la terrasse. Notre road trip touche à sa fin. Nous retournons sur notre lieu de pêche habituel, mais on est accompagné de la pluie. Mais comme on dit, après la pluie, il y a toujours le soleil. Ça n'empêche pas d'aller pêcher, se détendre et finir les vacances. Si vous avez aimé la vidéo, likez et, ou abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. J'espère vous retrouver bientôt. À bientôt !